Et... Nous voilà de retour sur Little Hope. Ok, ils sont là les Bon, ça c'est le cassos. feu de camp là, on y était. Ils sont là les cassos. Allez, on y va. C'est dans quel sens? Ah, c'est par là. Voilà, il y a une Ok. baraque avec une bagnole déjà. Ça va au niveau du son du jeu, ça? Tu entends mieux? Ouais. Ouais. Ok, il y a quelque chose ici. Oh là, c'était quoi ça? C'est toi qui as fait du bruit? Non. Oh. Ah, c'est notre chauffeur de bus! Ah, attends, t'es où? Prémonition débloquée. Sacrifice humain. Je suis là. Vas-y. Ah oui, c'est bon, je te vois. Il n'y a T'as pris rien qui, autour, toi? là. Ah, t'as pris Bon, le je suis le vieux? professeur. Vas-y, regarde la carte. Tête de mort. On est d'accord, hein, c'est le chauffeur de bus. Les autres là-bas, là, ils sont encore en train de se... Oh, les tourtereaux, là. C'est scaloche. Je sais pas, mais... Ok, on peut pas rentrer dans la maison, là, il n'y a pas moyen. Non. J'ai pas le sentiment. Non. Bon, Bon, je vais aller pisser. je vais suivre Monsieur Non, non, viens Collectible, hein, pas parce vers moi. que... Je vais Bah pisser. si, Je bah non, cherche l'intimité. j'ai avec toi, moi. Vous avez Oh été... putain! Ah! Oh putain. C'est un C'est cerf. ça, ouais. On verrait peut-être mieux de là-haut. Ah bah vas-y. Il n'y a pas de souci. Salut. Ouais, j'y vais, je vais avec lui. Oui, il y a des trucs à récupérer là sur les tables. Restons groupés, on ne sait jamais. Ghost Towns of the North-Est. North. Ville fantôme du Nord-Est, Little Hope, la ville rendue à la nature. Ok, bon, c'est une brochure. Ok. Bon, je suis pas obligé de regarder si t'as regardé, hein. Je sais pas. Les collectifs, c'est pour deux. Ouais, je pense. J'en sais rien. Qui crie ces merdes? Qu'est-ce qui nous est arrivé, d'après vous? Ben, je sais pas. Bon. Je crois qu'on est en danger. Continuons. Il y a quelque chose qui tourne Attends, je pas suis en train de ici. parler, moi. Ouais, c'est clair. Ah, ok. Je suis en train de parler avec Andrew. Qu'est-ce que ça cache? Oh. Ouais, on va rester calme, hein. Essaie de rester calme et positif. Paniquer ne nous avance à rien. Et crois-moi, si je n'y suis pas obligé, je n'ai aucune intention de passer une minute de En fait, plus dans cet j'étais en train de endroit. réfléchir à quelque chose. D'accord avec vous. Je me disais, mais à qui Merci elle de votre ressemble, la témoin. vieille? Elle me dit quelque chose, mais j'allais dire une connerie, mais bon. Je crois qu'elle ressemble un peu à ma belle-mère. Oula, fais gaffe, elle regarde pas tes vidéos. Non, c'est... Oh. La sorcière d'Edmond. Une pièce de théâtre, ok, d'accord. T'as vu ce qui s'est passé l'étang là, dans le lac ou pas? Non, t'as pas vu? Non, t'es où? Ok. Bah, je suis là où c'est que t'as découvert la brochure. Et moi, quand j'ai parlé à Andrew, il y avait un genre de, je sais pas, un monstre qui est sorti de l'étang en face Bon. là-bas. Hein. Ouais. Bon, j'arrive. Si vous êtes. C'est vrai que c'est pas bon de rester seul ici, hein. Andrew, il est où ce con? Il y a des Eh, endroits plus accueillants, oui. vous êtes où les amis? Tiens, je te fais des appels de phare là. Je suis toute seule. On est sur la route. Oui, toute la sainte journée. Mais moi je suis dans le brouillard, je vois rien. Ah ça y est, j'ai traversé le brouillard. Mais Andrew, il me suit pas en fait ce con. Il est resté derrière. Bah je sais pas où il est. Il est pas avec toi. Moi j'ai les Ah, deux il est là, il tourtereaux est qui là, sont il est là, avec il est là, il est moi. là, il est là. Il est là. C'est bon. Ok.
Par contre, il y avait un passage sur le côté là. Attends, Andrew. Ah non, c'est ça, d'accord. C'est quoi ici? Bah, c'est de la convient. Qu'est-ce que bah c'est oui, que ce en jeu? Fait, t'es reparti oh, de l'autre côté. Hein. Putain. Ok. Mais non, c'est... attends, c'est quoi là? Oh putain, je suis paumé. Hein. Je suis dans le brouillard. Je te vois. Cela expliquerait la présence de gens en costume. On est derrière toi, mais attends, va pas trop vite parce qu'il y a un truc sur le poteau, t'as regardé? Sérieux? Un oui. Rassemblement historique? N'importe ouais. Quoi. C'est une pour une pièce. Pour un spectacle, je pense, de sorcières. Ouais, on s'en bat les couilles. Allez. Ça pourrait être lié à ce qu'on a vu? Ah bah attends, je suis en train de parler encore. C'est possible. Une pipelette. Mais... je ne crois pas que c'est possible. Je ne sais pas ce qui est pire. Des apparitions de fantômes ou une ville obsédée par son histoire. Ok. C'est la ptiote. Ah bah je sais pas, je suis derrière moi. La ptiote nous observe. Allez. Ah bah oui, elle fait caca. Bon, on va la laisser tranquille. Comment ça, elle fait caca? Bon, elle fait caca derrière un buisson, hein. Ah, tu l'as vu? Mais non, mais non, c'est des conneries. Bah ah si, bah, alors... Bah, attends, parce que j'ai quelque chose. Bah si, elle est là, la fille. Mais t'as raison, en plus. Tu la vois? Ouais, elle est cachée derrière un buisson, elle est en train de chier. Ah, voilà, c'est bon, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Bon, Marc, ça va, c'est la besoin de papier, elle a ce qu'il faut. C'est de la feuille. Ouais. Bon, on va rejoindre les amoureux. Hein. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Et un traiteur. On peut pas le prendre, non, il est tout pourri. Farming Simulator. Farming Simulator. Ah, attends. Quoi? T'as vu quelque chose? Bah, il y a un pont. Hey, okay. Tu vois quelque chose? Ah oui, t'avais raison. Tu vois quelque chose? Un panneau. Little Hope. Ah, c'est une école, ça lui plaît, ça. Le professeur. Ouais. Par où? On peut y aller. Je suis d'accord. Regardez! Hé! Ouais. Hey, non! Stop! Désolé de dire ça, mais c'est exactement ce qu'on voit dans les films d'horreur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court. Ouais, allez, il réfléchit lui, attends. Je m'en charge, on devrait peut-être faire... Ouais, je m'en charge, hop. Je m'en occupe. Allez, on va le faire crever lui. Mais c'est quoi cette foutue croix là, Bering Update là? C'est quoi cette merde là? C'est bizarre ça, hein? C'est un changement de... C'est quoi? Non, non, direction. Je viens avec vous. Je viens avec toi. Comme ça, on sera deux à crever. La vieille et le vieux. Voilà. Ça ira plus vite. Ah, bon bah, salut. Hé, hey, vous deux. Oh oh. Non, c'est pas vrai. Quoi? Affronter la fille. Affronter la fille. Bon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais enfin... Alors on y va. On est là. Hey, y a quelqu'un? Hey, oh, oh là, y a quelqu'un à côté de moi, là. Je sais pas. Oh. Hey, qu'est-ce que... John! Ok. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous vivons des heures sombres. Non, restez! Reculez! Mais qui diable êtes-vous? Que voulez-vous? Ce n'est pas possible. Un langage empli d'énigmes.
C'est elle en plus. Seigneur, je vous en prie, débarrassez-moi de ces fantômes. Qui est mon double ? C'est pas possible. Détournez votre regard. Nous ne sommes pas mariés. Il faut aller vers la ville. En fait, on est des fantômes, non? Et c'est là qu'on pourra trouver de l'aide. C'est nous les fantômes, mais les gens, Non, je vais pas bien du tout. Je suis terrifiée et perdue. Je viens de voir mon propre double dans la brume. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça. Cette femme a surgi de la brume, habillée comme dans l'ancienne Salem. Elle parlait d'une manière étrange, comme dans les vieux films. Et encore plus dérangeant, c'était mon portrait craché. Oui. Mais comment c'est possible? Je crois que vous exagérez un peu, Angela. C'est bon, j'en ai marre. On dirait que la brume ne nous laissera aller nulle part, excepté dans le centre de la ville. Alors c'est la brume qui décide où on va, maintenant? J'en ai rien à foutre. Je trouverai un autre chemin. Non, vous n'avez jamais vu de film d'horreur? Il ne faut surtout pas se séparer. Les films d'horreur, c'est naze. Je vais partir de ce côté et sans vous. C'est peut-être pas une bonne idée de se séparer, Taylor. Il n'y a pas moyen que j'aille par là. Je vais suivre John. Je sais pas quoi faire, moi. Je suis d'accord avec Taylor ou avec Andrew. Andrew. Andrew a raison. La ville n'est pas loin. On devrait y aller ensemble. Lâche-nous, mamie, on t'a pas sonné. Ok, d'accord. On doit tous se calmer. Ça, c'est bien dit. Ta gueule, la vieille. On explorera plus de pistes si on se sépare. Je vais suivre Taylor. Ce serait trop dangereux pour toi de traîner toute seule. À deux équipes, on a plus de chances de s'en sortir. Et c'est ce qu'on veut tous, non? Tu as raison. Ah bah oui. Si vous arrivez à passer la brume et trouver l'aide, on va se séparer. Envoyez-les vers nous, vers la ville. Je suis sûr que nous trouverons de l'aide avant les autres. Du moment qu'on en trouve, c'est tout ce qui compte. Ok, toi t'es Daniel. Donc toi tu joues l'autre équipe? Ouais, je suis le tourtereau là. Ok. Bon, moi pour une fois je suis pas la vieille. Ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Mais il est sérieux, lui. J'ai réussi mon QTE. Merci. Ils préviennent pas, en fait. Non. Ah, mais c'est le clochard dans le bar, là. Avec son vélo tout pourri. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. C'était seulement le vieux type du bar sur son vélo. Saleté d'ivrogne. Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen plus facile de regagner la route. Le courageux, mais pas téméraire. Allons-y. Ça va de ton côté? Qu'on a vu? Bon, on visite, on est tombé sur une école. On peut pas. Il y a eu des procès de sorcières à Altelo, parallèlement à Salem. T'es sûr que t'es à Little Hope, toi? T'es pas à Silent Hill? Pas nécessaire. Oh. Un truc à inspecter. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, oh, c'est quoi cette bestiole-là? Oh. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez inquiète. Vous tenez le coup? Oui, merci. Ça peut encore aller, mais il y a quelque chose. Ah, moi aussi j'ai vu une bestiole. Ah, t'as vu? Ce qu'on a vu et vécu ce soir est difficile à digérer. On gère tous les choses différemment.
John ressent le besoin d'être notre meneur, le mâle alpha. Tandis que Daniel et Taylor ressentent un besoin différent, quelque chose de plus animal, sans doute. Je rêve ou... Vous venez pas de dire ça? Grandis un peu, Andrew. Si tu te retrouvais avec Taylor, tu ferais la même chose. Je crois pas que Taylor, ou même une autre fille, s'intéresserait à moi. Je suis sûr que tu te trompes. Tu feras le bonheur de quelqu'un. À condition qu'on sorte de là. Il faut qu'on rattrape John. Ça venait de par là. Viens par là, voir ce que j'ai trouvé. Oula. Attendez! Ah merde! Putain! Qu'est-ce qu'il y a? T'as loupé un QTE? Bah ouais, mais il fallait pas faire de bruit, j'ai appuyé tout de suite! Quel con! Il est stressant ce putain de jeu! Bravo! Tu y es arrivé comme un chef! Ouais, tu parles! J'ai chié. J'ai une de ces trouilles. Désolé de m'être enfui comme ça. Je suis plus tendu que je le pensais. Merci de m'avoir rattrapé. Hein? Si vous aviez envie d'être seuls tous les deux, vous auriez dû le dire au lieu de détaler comme ça. Il est sérieux, l'autre. Il faut quelqu'un qui s'occupe de John. Il fallait bien calmer John après sa course folle dans les bois. Très amusant. Trophée. Je vous dis que j'ai aperçu une bête. C'est une Comarok. Ouais. Oui, en effet. Une toute petite bête inoffensive et sans défense. La terrifiante créature dans la cabane n'était qu'un chat, en fait. Oui, bah oui. Merci. On devrait continuer. En fait, je suis avec la tiote au Moyen-Âge, là, je crois quand. Hein. Ouais. Et elle se fait embêter par une espèce de prêtre, là. Nous, on a essayé de l'aider. Peut-être même notre chauffeur. Voilà. Mmh. Regarde si tu trouves de quoi casser la vitre, tu veux? Bon, moi, je suis devant un bâtiment. En fait, la ptiote, je pense qu'il faut l'aider. Hein. Tu crois? Et en l'aidant, on a touché l'espèce de prêtre là et. Donne-moi ça. Il a eu un sentiment de froid, comme si un fantôme l'avait touché. Quoi. Je m'en occupe. Et il lui a dit, tu m'as acheté un sort. Comme tu le sens. C'est un jeu d'enfant. Détrompe-toi. Donc, je pense qu'on est des espèces de fantômes. N'importe qui peut y arriver. Si tu te sens sous pression, laisse faire quelqu'un d'autre. Bah, je suis pas sous pression. On verra bien. Vous pouvez vous taire. Vous pourriez abréger un peu. Le temps que vous vous décidiez. C'est comme le film Les Autres avec Nicole Kidman. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. Bah, c'est pas mal. Hein. En plein dans le bill. Tu pourrais faire carrière dans le baseball. Aucune équipe serait assez bonne pour moi. Hmm. Bah, je crois qu'on va rentrer dans le bâtiment. Hein. La voie a l'air libre. T'es dans l'école? Sans problème. À ton tour. Ouais. Ah non, je suis dans la police. Le bâtiment de la police. Putain, les QTE, faut être attentif. Hein. Watch. Tu en dis. En plus, ils mettent pas de couleur, donc ça t'a... Au niveau du réflexe, ça... Jetons un coup d'œil. Peut-être pas, quoi, pour voyons la touche. Et voilà. Bah, tu me dirais, y'a pas de couleur sur les manettes PS5, mais... Les autres n'arrivent à sortir du bois. Ouais, après, tu sais que le rond, c'est rouge, triangle, c'est vert.
Croissant mais bleu. comme il y en a... Il y a... Ouais, mais comme il n'y a plus de couleurs sur les manettes PS5, du coup, j'ai l'impression que le jeu n'a pas de couleurs, quoi. Un problème? Ouais, cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Aurais-tu un sombre passé de criminel que nous ignorons? Pour vol de cookies? Les postes de police des petites villes se ressemblent tous. Il doit y avoir un téléphone quelque part. C'est naïf d'espérer trouver quelque chose ici. Ce lieu est mort, comme tout ce qui se trouve à Little Bay. Putain, mais il y avait quelque chose dedans, normalement. Et tu trouves plein de trucs, toi, dis donc. Ouais. Je vois ça. J'explore. Poste de police de Little Hope. Reynolds. Par ici, j'ai quelque chose. On est peut-être sauvés. C'est coupé. Merde! Ah wow! Hey! On va se calmer. Vous pouvez pas arrêter de réagir comme un enfant gâté. Regardez, c'est même pas branché. Ça se passe bien, toi, avec la vieille? Il doit y avoir un câble quelque part. Pour l'instant, ça va. Nous, on rentre dans un bâtiment, je sais pas ce que c'est. Oh, je suis au poste de police. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bordel-là? Elle m'a lancé son téléphone, il y avait un QTE, si je le loupais, à mon avis, il n'y a plus de portable. Qu'est-ce que t'en dis? On répond. Bah ouais, faut répondre, mais c'est bizarre. Je vais bien le faire. Sois prudent. Le téléphone, il n'a pas de branchement et le truc, il sonne tout seul, quoi. Une femme. Elle a l'air bouleversée. Tu dois tenter de calmer cette personne. Tu n'obtiendras rien si elle est hystérique. D'accord. Essayez de vous calmer. Moi, je veux bien vous aider, mais avant toute chose, il faut que vous me disiez où vous êtes. Insiste plus. Essaie de découvrir ce qui se passe. C'est ce que je fais. Dites-moi, votre emplacement exact, est-ce que vous êtes en ville, quelque part? Je marchais et un homme et une femme ont surgi. J'ai été prise de peur, car je ne les avais pas vus approcher. T'aurais pas croisé une femme, par hasard? Leurs habits et leurs non. Il y a un article du journal sur sur un prêtre qui fait des trucs honteux de trucs sataniques. Pendant que tu parlais, j'ai vu une vision. Oh, c'est quoi ça? Approche, petite.
J'ai vu la dame noire. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternelle damnation qui t'attendra. T'as pas parlé d'un révérend tout à l'heure ? Nous avons un accord, tu te rappelles ? Ouais. Je ne tiendrai aucun. Je suis dans une grange là avec un révérend, avec la petite fille là. Qui se cache dans un tonneau ? Bah pour l'instant elle n'est pas cachée, mais elle est en train de parler avec le révérend, je sais pas du tout. Avec une sanction qui te fera trembler. Allons, révérend, l'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. Mais c'est d'époque. J'en conjure cette cour, ainsi que le juge Wyman. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie est l'apanage du diable. Tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant Dieu que je suis innocente de toutes les choses dont on m'accuse. Plus un mot, Amy. Mais c'est un tribunal, en fait. Nous devons rester discrets. Laissez faire. Et voir ce qui se passe. Tiens, écoutez, faut que je me cache. Sauf votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins, qui me connaissent si bien, témoigne contre moi. Ils savent qui je suis. Et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez pas dans la toile de vos mensonges. Le démon se dissimule là où l'attend le moins l'épouse ne sert pas le diable révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du soufre. C'est John. Approchez, approchez. J'ai les os qui se glacent. Quel est donc ce sort diabolique ? Le regard malfaisant de la bête est sur nous. Son suppôt est dans nos rangs. Qu'est-ce que... Ne te mêle pas de ça. Les preuves présentées contre moi ne sont rien de plus que des affabulations. Si les forces du mal sont parmi nous, je brandirai... Non ! Marie ? Marie, ma sœur, que t'arrive-t-il ? Je me suis planqué parce qu'il y a des rats. Super. Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute ! Révérend Carter, quelle rancune avez-vous contre moi ? Nous en aurons le cœur roulette. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Relâchez-la ! Qui parle ? Qui est là ? Dieu nous protège. Venez voir en aide ! Je ton maître ne peut plus rien pour toi. Il est trop tard. Ils sont là parmi nous. Ils sont là parmi nous. Non ! Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous, Alderaan ? Priez pour vous. Le diable est avec nous entre ces murs. Protégez-vous. Implorez Dieu. Bon sang, c'était quoi ça ? C'était réel ? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles ? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient d'en voir un ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Je la connais, cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Cette femme, mon sosie, qu'est-ce qu'elle encourt si elle est jugée coupable ? Les sentences des femmes jugées coupables de sorcellerie à Little Hope étaient très dures. Elles mouraient violemment. Noyées, pendues, brûlées. Espérons qu'elle soit ou ait été innocentée. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un compte. Ou par pure méchanceté, comme cette petite fille, qui
qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Je suis d'accord. La petite savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a mis la deuxième Angela dans la merde. Cette femme, mon sosie, elle était choquée, presque traumatisée même. Oui. C'était dur de la voir comme ça. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Son mari. Il vous ressemblait, professeur. Une autre chose m'a perturbé. Les deux personnes avec cette petite... C'est de plus en plus étrange. Très bien. Jetons un dernier coup d'œil pour vérifier que rien ne nous a échappé. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Moi, j'ai eu le droit à un procès de sorcière, là. Chelou. Moi, ouais, c'est la vieille qui s'est fait arrêter, là. Enfin, à l'époque. Ouais, pour c'est le ça, révérend, ouais. Pour sorcellerie. Ouais. Ouais. Prison de la sorcière. Peut-être quelque chose ici ou pas? Bon, faut que je sorte de ce merdier. J'essaie de trouver la sortie, mais... Ah non, j'ai déjà vu ça. C'est qui ? Hey, professeur ! Vous êtes là ? Allez, on y va. C'est toi qui toque ? Oui. Putain, tu m'as fait peur. Taylor, on est là! On n'arrive pas à ouvrir les portes! Ici non plus! Bah, si t'es pas dans une école alors! On va essayer de forcer la poignée ensemble! T'es dans un poste de police! Non, mais c'est ça, oui! 2, 1! Ouais, clic! Ouais, ouais. Clic! Taylor. Ah bah vous v'là, vous! Monsieur le prof? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Rien de vraiment très utile. Mais regardez ça. C'est plutôt cool. J'arrive c'est pas naze. C'est quoi? C'est exactement le porte-clés que j'ai vu dans mon rêve. Porte-clés, ouais. Ça, c'est bizarre. C'est pas bizarre. C'est un genre d'indice. Mais... qui nous amène où? Toujours convaincu que se séparer était une bonne idée? Disons que maintenant, je suis plus ouverte à d'autres propositions. Tant mieux si vous trouvez ça drôle tous les deux. Moi, je pense qu'on a de sérieux ennuis, là. Eh, c'est bon. La situation est exactement la même pour tous. Qu'est-ce qui te fait croire que la situation est la même pour nous tous? Elle est peut-être plus difficile pour certains d'entre nous. Qu'est-ce qui va pas? Nous avons vu le sosie d'Angela être jugé et condamné pour sorcellerie. D'accord, bon, et maintenant?
Nous avons déjà essayé plusieurs lieux sans rien y trouver. À part assez de trucs horribles pour nous traumatiser à vie. Oubliez ce qui s'est passé pour l'instant. C'est en ville qu'on trouvera de l'aide. Ça, c'est clair. Sérieux ? Oubliez ce qui s'est passé ? On a déjà assisté à des tas de trucs carrément flippants, et ce que vous voulez, c'est qu'on s'enfonce dans la ville aux horreurs ? Moi, je dis ça comme ça, mais on devrait peut-être d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ici. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien, mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celle qu'on n'a pas encore prise. Ah, voilà le plan. Pourquoi pas ? Alors, Space Mountain, c'est là. Star Wars Tour, c'est là. Le train de la mine, c'est là. C'est complètement débile. On sait même pas sur quoi on va tomber là-bas. Je sais que la nuit a été rude, mais on va s'en sortir. Sous tes airs d'intello, tu caches apparemment l'âme d'un guerrier. Bon, j'ai bien répondu. Je sais pas si tu vois si ça augmente ou pas les relations. C'est affiché en haut et à gauche, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, la croix, je sais toujours pas ce que c'est. C'est une sauvegarde, non ? Ou je sais pas. Non, non, c'est pas une sauvegarde. Ah, je suis professeur. Pousse-toi. Pousse-toi, tu me gênes. Bon, moi je vais dans les bois. J'ai pas peur. J'étais à gauche. J'ai trouvé une carte postale. Voilà, monsieur collectible. Comme c'est des indices. Ouais. Ok, on sait pas du tout à quoi ça correspond, mais on prend. Et toi, t'as trouvé quelque chose ? Non, rien du tout. T'es qui, toi, au fait ? Je suis... T'es elle ? Je suis avec la torche. Là ? Non, derrière toi. Derrière toi. Ah, lui ? Bouh ! C'est moi. T'as eu un truc, là, sur le poteau. Encore ? Ouais, vas-y, dis-le. C'est la pub qui avait. Non, machin. Ah, bah, tu. Ah, carrément, toi. Hard Rock. Vive le rock. Okay. Ouais, c'est une affiche, quoi. C'est okay. Super intéressant. Ah, peut-être que. Ah, oui, pourquoi c'est lui en fait. Faire passer le bus par là. C'est bizarre. Comme tout ici. Ils sont partout, en fait. C'est peut-être à cause de la brume qu'on a dévié. On n'était pas censé s'en sortir en vie. Un chaud pour hein. En fait. En fait quoi ? En fait, ils sont partout. Alors, dans la ville. Quoi. On n'y voit que dalle. Ah ! Oula ! Bah, ça se voyait quand même le trou. Pas missionné, hors de question que je m'en ouais, en plus, c'était la vieille, on aurait pu la laisser tomber. Hein. Ah, c'est con, hein. La fille s'en débarrasse. C'est de ta faute aussi, c'est toi qui fais John. Alors. Il va falloir faire un QTE pour sauter, là, ou okay. Je sais pas quoi, pour passer. Qui commence ? La vieille, la vieille, la vieille, la vieille. La belle-mère, la belle-mère. Alors, pas de problème, passez en avant, examinons nos options. Pfff, c'est incertitude. Il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options. Et merde. Allez, bien sûr. J'aurais dû y aller. On est aux dames. Allez, je passe devant. Salut. Il y a que des mauvais choix. Hein.
Pourtant, je passe devant. Hein. Moi, j'ai... Non, j'ai une flèche verte, moi. Et je vois des relations qui disent... Relations actualisées, moi, c'est bon. Con, tu, ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est tout branle-branle, lui, c'est comme un... comme un gars. Ouais. Ah, c'est critique. On fait quoi? La brume. Je sais pas, mais toi tu sautes. Oui. Ouais, le corbac là. Le fou balcon. Lâchez-moi! En ces temps de grâce, 1692. Nous sommes réunis séants pour assister à une juste exécution. Non ! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée. Prions tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Pieuse ? Oh, pitié ! C'est quoi ce mot-là ? Pourquoi vous ressemblez à Angela ? C'est quelqu'un qui... Comment vous aider ? Vite ! Qu'est-ce voilà. qui se passe ? Pourquoi vous êtes comme Angela ? Le sens de vos paroles m'échappe, mais je vous en supplie. Mais c'est pas un mot qu'on dit quand même assez régulièrement, pieuse, hein, on est d'accord. Non, mais ça c'est... ça oui. a un temps. Hein. Oui, bah oui, bien évidemment. Bon, qu'est-ce qu'elle branle, là ? Le démon est ici. Il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Son suppôt. Isaac, hâtons-nous de conclure la présente affaire. Un petit la suppôt. La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le diable lui prête sa force. Veillez à serrer ses liens. Par contre, c'est vrai que Clotilde lui ressemble quand même. Vous n'avez pas le droit. Isaac. Oh, mais c'est pas profond. À l'aide. Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damner. C'est pas une falaise. L'Isolope est déjà perdue, rongée par le mal. Mais non, comme vous le prétendez, par les démons et les sorcières. Ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité. Le diable prend bien des formes. Vous le savez mieux que quiconque. À Little Hope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence. Et a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, Little Hope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend. Il est au milieu de vous. Isaac. Qu'on lui coupe la tête. Et hop là. Ah. Bah t'as pas beaucoup d'apnée hein. Ok. Il a pas tellement défendu sa femme l'autre hein, Pionk. Qu'avez-vous vu? Dites-moi. Que dire? Toi crevé. Que dire? T'as choix entre quoi et quoi? Je n'en suis pas sûr. Bah, l'autre de vos visions. Je ne trouve pas les mots, je ne sais pas. Hallucination. Alors la femme, mon sosie, dis-moi. Non, bah, elle est crevée. Dis-lui. Ah bah lui, il va tout balancer. Lui. Dis-lui comme ça va suicider. On a vu ce qu'ils ont fait à cette femme. On va faire la même chose. Attendez, on va vous montrer. Elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Bah que tu vas mourir aussi. J'espère que t'es bonne en apnée. Ouais. Le narrateur. Même pas. C'est une pause de pour la pub. Très bien, je passe devant. Ah bah, ça, il se décide.
Oh bah c'est pas trop difficile, hein. Ok, oh, c'est bon, oh. Venez me rejoindre. Je passe devant, bah oui. Et ils sont où les tourtereaux, là? Courez! Mais c'est quoi ce truc? C'est la vieille. Courez! Dégagez d'ici! Ah, attention, il va peut-être avoir des QTE. Hein. Ouais. Merde! Ne me laissez pas là! Merde! Hey, aide-moi! Attendez, attendez! C'est qui? Je suis courir qui, moi? Bah pas la vie. Je vais revenir, tenez bon. J'ai eu un trophée. Ouais, âme compatissante. J'ai abandonné la vieille, hein, pour info. Attrapez ma main. Oh putain. Allez, plus vite. Putain, c'était limite. Ouais, faut appuyer sur carré. Alors, tu vas louper. Il faut qu'on sauve Angela. Hey, ouais. Aidez Angela. T'inquiète pas, c'est toi. Ah, bon. Ok. Ouais. Ah bah elle va y passer, hein. Rudesse raillerie. Je sais pas pourquoi il y avait des cadenas. Ouais. On a fait des mauvais choix peut-être. Je sais pas du tout. Oh. Burk. Wow. Wow. Ah bah voilà, ça c'est fait. Bon bah, on s'en est débarrassé. On l'entendra plus celle-là. Ouais. Angela, non. Bah, j'avais des QTL pour grimper et j'ai tous réussi, mais elle est tombée quand même. Je sais pas. Ouais bah c'était peut-être son destin. Hein. Il faut qu'on se tire d'ici, vite. Bon bah, et d'une... du chapitre. Yep. Eh bien, votre groupe semble avoir subi une perte. C'était effroyable, mais pas inévitable. Vous le savez. Connaissez-vous l'expression « un sort pire que la mort » ? Oubliez cela. Concentrons-nous sur l'avenir, sur les chanceux qui restent. Étant donné la vitesse à laquelle les enjeux augmentent, une sorte d'arme pourrait s'avérer utile à présent. Vous ne croyez pas? Vous auriez vraiment dû explorer avec plus de soin. Il est trop tard. Oui, explorer. Les garçons ont des idées intéressantes. Pourraient-ils, comme Andrew le suggère, être les réincarnations modernes de leurs alter-ego du passé? Ou préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier. Chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade.
sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles? Nous finirons bien par savoir. On m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. Contente? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ces indices, lui. Ben oui, hein. Ah oui, hein, on est bon, on est d'accord. Très bien, donc. Cherchons à nouveau l'inspiration auprès de l'énigmatique William Shakespeare. Je l'ai rencontré une fois. Je vois tout le monde une fois. Acte 5, scène 1, où Cléomène supplie Léonte de bien vouloir lui pardonner d'avoir provoqué la mort d'Hermione. Faites ce que le ciel a déjà fait. Oubliez vos offenses. Et avec lui, pardonnez-vous. Ça va nous aider, ça, tiens. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. Ça, c'est l'indice. Ouais. Père Fouras. Et ben voilà. La vidéo est pas mal, hein, 51 minutes là déjà. C'était un bon chapitre. C'était un gros chapitre, ouais. Ouais, il était intéressant celui-là. Ok. Bon, bah écoute, rendez-vous la prochaine fois. Yeah.